l'écoute de la population. On nous prend premier point. Du sérieux. Conseil de initiative droite et gauche à prendre là pour contourner la constitution en vigueur. Les lois de la République, les règles établies. Eh bien, c'est expression de Samrilé, un délit permanent pour assauter le pouvoir. Comme quoi, dans le pays d'Haïti, eh bien, les simples pour un pouvoir. Il suffit qu'on perde du Éric. Là, matin, ou pas penser que la peur, dans la même situation, ou même qui vient là pour faire appel au dialogue, alors qu'on connaît mon problème dans le pays, mon problème dans le pays, mon problème dans le pays, mon n'y a pas qu'à manger, mon n'y a pas gagné. Accès à soins de base et à dénoncer corruption, impunité. C'est une raison qui expliquait qu'on a la rue, on a. Ils m'ont parlé de coup d'État et puis on a parlé de dialogue. Est-ce que là, non, mais même, écoutez, ça, il pas, que il nous pas des à sauver les ventes dans la matière. On est capable justement d'empêcher une explosion dans le pays, non? On est capable de juguler la crise là et pour relayer l'appel au dialogue. Réitéré par le chef de l'État, va permettre moi de finir ça. Deuxième bagaille que tout protagoniste doit faire preuve de lui, c'est que il doit montrer responsable à la hauteur de mission yo, pour créer cohésion sociale. Ça. Haïti est un pays, nous, un pays, ça n'a pas gardé là, attitude monde, France, jusqu'au bout de ça, de l'opposition radicale, c'est un aveu évident. De mépris, d'insensibilité, tout, que Mounsayo a fait preuve, et vis-à-vis de misère, de souffrance population. Il n'est pas capable d'entrer en ferré au nom sorte d'intransigeance, justement, pour bail coup d'État, pendant que le pays d'Haïti est absombré. C'est quand même, et faire preuve d'un cynisme révoltant. L'éclat que mode de fonctionnement, ça, le frange rebelle, ça, aux normes démocratiques, qui réfractaire à toute idée de dialogue, eh bien, on est d'accord avec Pierre-Winnie René, l'idée pas mort, avec la morale républicaine, avec la morale tout court. Donc, troisième bagage avec un monde qui a fait politique, je ne veux dire, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir, ou doit être à l'écoute de la population. Être à l'écoute de la population, pour me répondre à la question directement, et ça lui vient rejoindre troisième point maintenant, que je voulais soulever, hein. Eh bien, majorité monde dans le pays, ça, c'est la paix à demander, c'est stabilité à demander. C'est la concorde qui a demandé. Et pour ça, il a demandé acteurs politiques, ils faire preuve de dépassement, de transcendance, pour citer ensemble, et puis pour nous joindre un compromis dans l'intérêt pays, intérêt eux-mêmes qui a crevé et qui pris en otage par la méchanceté, la bêtise et l'inflexibilité d'un groupe de monde qui voulait sacrifier tout ton pays sous hôtel, pulsion, poutissio. Regardez qui ça n'a pas assisté là. Cette fameuse coalition que nous t'es bien dans la nouvelle amateur. Mais son structure mornée, c'est même ça nous t'a considéré comme un summum de la bêtise et du ridicule. Son nouveau son, on soufflait. Oui, ça me s'attendait là. On m'a demandé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un rêve mieux, ou bien une sorte de cauchemar. Son soufflait à la raison, au bon sens, et mais également au principe élémentaire de la démocratie. Vous comprenez? Ou politique dans le pays, nous sommes politiques, sont bien qui trop sérieux pour tourner en sorte de cirque, une espèce de comédie de mauvais goût. Et puis, on est d'accord avec tout, que ça n'a pas assisté là. C'est confirmation que il y a un monde qui part en tête au sérieux, qui donc l'autre monde pas capable au sérieux. Parce que, on pas capable étaler autant d'indigence morale, autant d'indigence dans la logique pour renforcer l'institution républicaine New York. Bon, problème qui vient là, qui ça demande. Il demande humilité, il demande sacrifice des deux côtés, des concessions mutuelles, il demande tout. Et ça m'a dit le haut et fort. Monsieur, on connaît bien pas bien coup d'État en Haïti. On connaît bien que, eh bien, Rachel New York là, la majorité dans le pays ça qui décide de divorcer avec elle définitivement. Alors, question automatique, mais que faire justement pour enrayer ce mal chronique qu'a rongé société noire, l'instabilité, qui fait que nous vînons la risée du monde entier, qui fait que il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux, qui fait que vous considérez Haïti comme une espèce de jeune
côté que gagne des cannibales après entre les chiréos. Eh bien, c'est mettez tête nous ensemble, chita dans respect yon pour l'autre, autour de yon table, pour discuter, dialoguer et aboutir à ce que nous relayons consensus fédérateur et salvateur. Vous dites pas alternative, pas qu'un chemin. Donc, dans le cadre dont on négociation, au cas gagné ou au cas perdu, donc moi, j'aurais été attaché à mandat pré-président. Est-ce que ou pas un problème pour que mandat à sous table négociation côté ça t'a capable briver que le président accepte perdu dans le mandat ou d'accord ou pas d'accord à ça? Nous dit que et dans le cadre de négociation, un pays dans intérêt population qui a perdu nous là, pas qu'à gagner gagnant ni perdant. C'est intérêt supérieur nation qui sorti gagnant. Depuis 90, et là, auditeur. Intérêt supérieur nation, intérêt supérieur nation, c'est qui ça lié dans le contexte nous est là, je veux dire. Et on retourne à la paix, à la stabilité, à la sérénité. Et on pas qu'à gagner un groupe de monde qui par la violence voulait prendre tout un pays en otage. Et puis, on dit à exprimer au nom du peuple. Il y a tout le monde en dérision. Il y a pas ces monde en tête. Majorité pays, il y a capteur de nous là. Et compatriotes haïtiens, que ce soit ici et à l'étranger. Et cri que vous lancez là. Entendez-vous. Mettez tête nous ensemble. Chita dialoguer. Depuis 90, ça qui était doué un virage vers la démocratie dans le pays, non? Et PRR. Ou d'accord, même c'est un long cortège d'occasions manquées. Côté nous, pas un vrai défi, ou pas jamais abordé. Parce que nous, France, qui rebelle à tout principe démocratique, yo, qui a gaspillé temps, énergie, empile l'argent, dans ça que nous relais, une espèce de sale besoin. C'est la déstabilisation permanente. Vous direz, à chaque fois que Van Démagogie en ouvrait, à chaque fois que il y a des mouvements de rue qui chita sous violence, sous intimidation, côté asphyxié, il y a tringlé le peuple là. C'est l'économie, nous, qui subit conséquences là. Vous direz, vous, non, parce qu'on n'a pas le fin avec l'interview, il y a l'autre intervention, non, niveau pouvoir, jusqu'à côté, nous prêts pour arriver, non, ça va pas les représenter là comme sacrifice pour nation. Qui côté prêt pour arriver? D'abord, m'a dit que, et ça, m'a parlé dans non chef l'État, avec majorité haïtien capitaine de nous là. Yo pas pour chire, puis yo pas pour l'obéir, yo pas pour caser briser, yo pas pour mettre du feu, yo pas pour coup d'état. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a nécessité pour que nous domptions, tout le monde domptions la caillou, ce monstre avide de chaos qui fait que il y a des mouns, des malheureux qui a manipulé, téléguidé pour s'y mettre d'œil avec chaos. Majorité haïtien yo fatigué. Yo dégoûté pour yo vivre dans le pays côté que, eh bien, nous yo un groupe de monde parce que yo cap prend toute une nation en otage pour capable faire passer, eh bien, et folie pouvoir yo pour prendre pouvoir dans l'État. Côté nous prêt pour nous arriver, c'est que pas d'une alternative au dialogue. L'alternative qui gagne là, c'est seulement chita ensemble. L'alternative à la bêtise, aux pulsions, putschistes, c'est chita ensemble. C'est dialoguer dans le respect d'un pour l'autre. Qui côté nous prêts pour aller? C'est d'abord la première étape, c'est se rencontrer. Chita ensemble dans le respect d'un pour l'autre, dans le cadre d'une atmosphère qui dépouille de toute passion, de toute folie, et qui côté que tout le monde a fait preuve de dépassement, de transcendance. Et puis pour nous capables, ça qui est compromis qui s'allie dans le dictionnaire là. C'est joignons chita, attendez, on attend. Côté qu'il y a des concessions mutuelles qui fait. C'est ça le compromis. C'est ça le dialogue. Et c'est ça la majorité a demandé. Mais coalition pour le mal. Et puis on va regarder pour eux-mêmes, Mounsayo, puis devant. Il n'y a pas le plein lorsque vous perdu les prochaines élections. Il n'y a pas le plein lorsque les majorités pays a sanctionné eux pour leur inflexibilité. Il n'y a pas le plein lorsque vous perdu les prochaines élections. Parce que cette solidarité cynique dont ils font montre aujourd'hui, là, va exploser quand viendront les élections, les prochaines élections. Parce que c'est seulement dans le mal que il y a des gens qui ont capacité
yo met tête yo ensemble, yo solidariser. D'accord. Au niveau non mais net n'a fini on a gain un peu intervention. Est-ce que ça arrive? Oui oui, est-ce que ça arrive? Insister sur nécessité pour dialogue là mon frère. Oui, moi même d'avre mado, est-ce que ça arrive dans rencontre qui gagne entre dirigeants au niveau pouvoir nous évoquer possibilité d'émission chef d'État. Le président de la République ne partira pas. Et l'État irresponsable pour être capable de laguer le pays à nos quatre bombés, justement pour céder. Mais est-ce que le temps d'écrire, le monde qui a manifesté, le temps d'écrire? Le monde qui a manifesté, il y a plusieurs catégories. Il y a des malheureux et qui ont exprimé frustration, et bien colère, parce qu'il y a des difficultés pour jouer les deux bouts. Et peuple, ça, je m'a pas adressé à moi-même, à mon qui est dans la rue, en pile dans yo. On dit que chef l'État attendait crio, il sensible à souffrance, à leur frustration, et a besoin que qui gagne un jour et jeudi pour que tout était ensemble, pour porter des éléments de réponse à souffrance que vivent jour et jeudi. C'est la première chose. Éléments de réponse, éléments de réponse, c'est qui ça, oui. Éléments de réponse, c'est que graduellement, il va falloir que nous agissions. Même j'en vois que le président a commencé par là avec réduction considérable de taille de gouvernement, dans le cadre de logique d'austérité, pour que eh bien, l'État ait plus moyen pour adresser les grands problèmes et que l'on fait face à eux. C'est côté que l'accent a mis justement sur le social, la santé, l'éducation et un accompagnement justement permanent de l'empire de nos compatriotes qui dans la rue. Moi-même, je dis, il faut m'adresser, pour ne dis pas quitter le monde, mais nous sous chemin. L'obéi, sous chimé écrasé, brisé, c'est que l'État vous voulez faire, on connaît que pas bien l'État. Même dit, me répétez le réforme, il n'y aura pas de coup d'État en Haïti. Et nous, tout à fait politique, nous gagnons l'impérieuse obligation pour nous capables de stopper malédiction, ça, qui fait que pendant des décennies, pays nous a sombré dans la misère, le chaos. À cause justement de l'obsession d'anti-groupes pour prendre pouvoir. Mais c'est dans, sous bien garder, seul n'est pas gain l'obé en Haïti. C'est lorsque il y a une transition. Oui. Après ça, président Aristide vient, il prend deux coups d'État. Après président Aristide, président Préval vient, eh bien, il fait plusieurs tentatives pour mettre la terre. Et puis, il y a eu le tremblement de terre du 2 janvier 2010, qui vient comme si j'étais comme si on sort de, et de l'eau fraîche sous tête tout le monde, qui fait que président Préval réussit à chaper à plusieurs tentatives de coup d'État. Président Martel est venu, idem. Tout président qui sortit du suffrage universel, il n'y a pas jamais de possibilité pour travailler dans la sérénité que nous avons besoin pour payer aller de l'avant. Alors que de l'autre côté de la frontière, les Dominicains ont réussi à vaincre ce que j'appelle la malédiction du haut droit que je m'y mets, la malédiction du ralécorbe mais comme. Et puis, ils résout le problème dans le dialogue, dans la concertation, dans la recherche constante d'un compromis. C'est ça qui fait que c'est. Et c'est ça que nous-mêmes, nous n'avons pas fait bac. Parce qu'en pile dans nous, pour qu'on comprenne la nécessité, que lorsque il y a un problème en politique, eh bien, ou râler constitution, ou râler règles jouettes là, ou râler loi pays, hein, et puis, ou chita ensemble pour dialoguer, pour résoudre justement les problèmes. C'est ça. La vérité aujourd'hui. Et là, vous me dites encore, puisqu'il n'y aura pas de coup d'État, et puisque le pays a nos crises profondes et réelles, qui s'accroît, qui fait, je le répète haut et fort, il est encore temps pour nos frères et sœurs de l'opposition, puis aux capables de faire preuve de dépassement. Soyez, ne soyez pas insensibles à cet appel de détresse du peuple haïtien. Imandez-nous chita ensemble. On va faire comme si par la violence, vous voulez prendre mon en otage, faire mon calfeutre la caillou, et puis vous dites c'est pays bloqué. Non. Il faut changer la dynamique des débats politiques, côté que ce n'est pas de barricade pour que toute journée, on a parlé dans les différentes éditions, dans différents journaux, dans différents médias. Ce n'est pas de telle entreprise qui a boulé. Ce n'est pas de tel monde qui prend balle tel côté. Le discours aujourd'hui, ce n'est pas cette rhétorique incendiaire
qui a instauré la peur comme mode de fonctionnement politique, la panique, discours politique de Chita sur le vivre ensemble, la concorde, l'entente, l'harmonie. Et c'est ça, président Pays-Bas. Donc, situation sans doute est compliquée, puisque Mme Madola, qui ça qui expliquait que c'est dans le téléphone président et président conseil et ministre. Nous avons une réponse claire à ça? Eh bien, ma réponse, vous me dites que qui ça qui expliquait que le chef de l'État, eh bien, hier, au Palais national, il y a une visite à différents services dans le Palais pour capable et manifester comme toujours, solidarité, dans sa solidarité et engagement permanent que le gagnant pour le capable de continuer de travailler comme président de la République, comme chef d'État. On parle de et puis tout pour lancer, sans arrogance, avec un peu humilité, sens de responsabilité, j'en me saute pas là, et toute humanité qui caractérise elle, ou dit mon yo, ça ici, nous y est. Nous allons en chier et puis tout le journée. On parle de lundi, Dr. Hugo, conseil ministre spécial, pour qui ça c'est dans le téléphone? Vous dites hier, il est venu parler. Je parle de lundi, il m'a dit. Eh bien, en France, et tout au long de la 5e République, parfois, quand il y a des cas, côté que le chef de l'État est président du conseil des ministres, alors c'est disponible pour le faire et que c'est le premier ministre qui est en place. Le président n'est pas disponible. Le président n'est pas disponible. Pourquoi c'est le même cas que posé là? Eh bien, il n'était pas disponible. Même Janto, la petite est disponible l'autre jour, comme d'habitude, pour le capable de présider le conseil des ministres. Donc, c'est pas là où il était bloqué qui fait président, c'est dans le téléphone, il était obligé de présider le conseil des ministres. Là, oui, il y a une intoxication qui a fait une bonne fois pour toute la petite super. Président Jovenel Moïse, pas monde qui a failli à responsabilité. Et le président a cette qualité que nous avons dit haut et fort pour tout le monde. Le président Jovenel n'a pas fait bac sous pression quelques individus et qui ont folie pour un pouvoir d'un coup d'État. Mais le président et Jovenel Moïse comprennent la nécessité dans sa pays à aller là pour ouvrir deux bras. Mais tout secteur qui veut pays, qui voulait pays, qui a fait promotion la paix, stabilité pour une chita ensemble, pour nous résoudre le problème, non. Comme il n'y aura pas de coup d'État en Haïti, pas bien raché Mayor, et que le président ne partira pas, d'accord, docteur. Eh bien, tout le monde doit joindre et ce sentiment de dépassement de soi, ce sens de responsabilité, puis répondre à l'appel, baillons et à l'appel au dialogue du chef de l'État. D'accord. Seul le dialogue constitue l'alternative aux jours. D'accord. Merci un peu, docteur Rivo. Le dialogue et bien d'autres. D'accord. Merci un peu. Merci un peu, docteur Arroudi Rivo, porte-parole. PHTK, porte-parole. Pouvoir. Pouvoir. Oui. D'accord. Bon, nous allons parler avec. Tout à l'heure, on a parlé avec Gonzague Ednardé, mais bon, bye, 2 minutes avec Abel Loreston. Abel Loreston, bonjour. Oh. Une seconde. Et c'est porte-parole ensemble des organisations politiques de l'opposition. Et des chances pour me parler de ma émission, ça, en émission qui va se spécial. Et me profiter maintenant tout pour me parler du directeur radio, hein, qui c'est Patrick Signac. Et Bob Sim, attendez quelques jours, peut-être côté de l'IA, me saluer. Et oui, dernier de faire maintenant, dans une temps de M. Rivo qui a parlé, il a parlé des coups d'État, mais pas ouais. Pour qui raison on a parlé des coups d'État, parce que nous-mêmes, qui représentons la population, on a parlé dans nos populations, mais je veux dire, c'est la population en général, dans 10 départements, qui les fait en paix, qui dit non à corruption, qui dit non à impunité, qui dit non à goût, la vie chère, insécurité. Là, il ne s'agit pas de coup d'État. C'est toute une population qui dit qu'il n'y a pas de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est aidé dans le dossier plutôt qu'arrivé. Non cité 69 fois en deux dossiers. Jovenel Moïse, de madame qui bon côté, non cité dans le dossier de Malogue. Jovenel Moïse qui a gaspillé l'argent de caravane, le changement qui est son caravane démagogie, je ne veux dire qui permet que agriculteurs de la Tibonite, mon la Tibonite a perdu
et production nationale, la production, vous êtes capable de faire dans la Simone Virus que nous connaissons bien. Je vais me dire aujourd'hui, il paraît pour avec des idées à ta population. Même pas vrai que c'est pas un petit groupe politicien qui a agi pour faire coup d'état. Et d'ailleurs tout, je ne veux dire nous pas l'armée, nous pas des monde et qui a des armes pour que bas à ici de coup d'état. Je ne veux dire, il ne s'agit pas de coup d'état. C'est tout simplement son population qui les est campée, qui a dénoncé ça qui n'est pas bon, qui dit Jovenel Moïse ou son président responsable, ou son président immoral ou pas qu'à diriger le pays encore, et bien ou doit démissionner. Que ça fait nous-mêmes, ensemble, organisation politique de l'opposition, nous dénoncer toute forme de dialogue côté de groupe là qui est présenté et puis réaliste, mais imposer nous pour nous dialoguer avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, en 2016, lorsque tu es candidat, il était dit président Jocelyne Brivet, qui était président à l'époque, puisque des gens qui mourent dans le camp, dans le PHTK, parce que c'est la lutte à Bakénie, ils ont été là contre les cadavres, même les gens qui sont Jocelyne Brivet, tous les poulies. Un, deux, trois, oui. Tandis que nous-mêmes, nous sommes en opposition. Je l'ai déjà dit, Jovenel Moïse, tous les que 200 mounes pour nous. Et crime dans la saline, crime sur le soleil. Et Gafoufei. Oui. Oui, Abel. Oui, nous avons conclu. Oui, d'accord, que nous disons que matin, hein, eh bien, ensemble, organisation politique de l'opposition, et ensemble, avec toute société de l'opposition en général, disons pas non négociation, ni non dialogue avec Jovenel Moïse, vous ne j'en dis qui va qu'à diriger. Tout simplement, ça va demander, c'est départ Jovenel Moïse, c'est démission Jovenel Moïse, et sans condition pour mettre à la disposition la justice haïtienne pour aller répondre avec Zach. Crime économique, crime financier et crime qui fait des massacres, la saline. Puisque je ne dis pas tout pour me finir, l'histoire évoque au même moment de démissionner, directeur intérieur, mon chéri, ensemble avec délégué des commentaires là, et bien Mounsayo, la justice va réélever, laisse aller, le Mounsayo, tout le monde va dire que c'est Jovenel Moïse qui te permet de faire action. Dans ce sens, on peut que nous avons continué la mobilisation et vendredi qu'a venu là, M. Guerrier, donc gros nom. Mobilisation générale qui va se faire en deux pays encore, la sortie sous place à Saline à partir de 9h du matin pour nous aller directement devant les Nations Unies pour la dire à propre, non pas dans le dialogue avec Jovenel Moïse qui sont criminels dans deux pays. Tout simplement, c'est démission. Nous demandons pour que pays a dont l'autre souffre pour que la population sente effectivement la sortie de Maracé comme quotidien, parce que Jovenel Moïse a dirigé, Jovenel Moïse a abondant de poste pendant une semaine, nous parlons de Jovenel Moïse comme président pays a encore. Merci un peu, la belle Loriston. On a parlé avec Edna Gonzague D, qui lui-même te souhaitait réagir suite à l'initiative.